La recette de la semaine, présentée par Fitmenu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais surtout, j'espère que vous avez faim. Ici le Fit Cook pour la recette de la semaine. Qui n'aime pas le poulet barbecue? Personne. C'est pour ça que j'en fais une version à l'orange. On se fait un poulet barbecue à l'orange. On commence sans plus tarder. Je prends mon orange et je la mets dans ma casserole d'eau bouillante. Donc, après 30 minutes de cuisson, mon orange est rendue toute molle. Pour couper l'amertume, j'ajoute un filet de miel et un filet de jus de citron pour le petit kick d'acidité. Je réduis en purée et notre sauce à l'orange est prête. Donc, je vais commencer à préparer mon orange pour ma salade. Étant donné que je déteste gaspiller, regardez ce que je vais faire avec les pleurs de mes oranges. Je vais les faire sécher au four dans un four très bas à 200 pendant environ 1 h 30 à 2 h. Ça, c'est le résultat qu'on veut obtenir, une poudre d'orange maison. Ça va être parfait pour parfumer mon poulet et je le mélange avec des épices barbecue du commerce. Je mélange bien pour enrober les poitrines de poulet de mon mélange d'épices séchées. Une fois ma poêle bien chaude, je vaporise l'huile d'avocat et on va faire saisir nos poitrines. Oh oui, ça c'est le bruit qu'on va entendre. Donc, je suis présentement à feu élevé et je ne touche pas mes poitrines. C'est ça le truc pour avoir une belle croûte dorée. Le meilleur des deux mondes, c'est de faire saisir ses poitrines de poulet à la poêle et finir la cuisson au four. Comme ça, on a la croûte d'épices et le poulet n'est pas sec parce que toute l'eau s'est évaporée. J'ai préchauffé mon four à 425 et je poursuis la cuisson pour environ 15 minutes supplémentaires. Je vais accompagner mon poulet barbecue à l'orange d'une petite salade minute. Je vous montre comment faire la vinaigrette. Je commence avec une cuillère de moutarde de Dijon, zeste d'orange, jus d'orange. Je mets un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, petit goût fruité qui va être super bon dans la salade. Je finis avec un filet d'huile d'olive, j'assaisonne et la vinaigrette est prête. Je mets une généreuse portion de ma salade dans l'assiette, comme ça. Je garnis ma salade avec mes tranches d'orange. Un petit peu de feta. La cuisson est parfaite. Je vous dis, le truc, c'est de le faire saisir puis de finir la cuisson au four 15 minutes à 425. Pour garnir notre poulet, j'ai ma fameuse sauce à l'orange. Le fini est jaune, c'est incroyable. Et j'ai ici de la sauce barbecue maison. Tu peux clairement en prendre une du commerce si tu veux. Merci. Mon poulet barbecue à l'orange.